Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Bangkok en Thaïlande pour vous montrer ma sélection de 5 rooftop bars où aller boire un verre. Et les amis, on commence directement au numéro 1, le Sala Ratanakosin. Et là, je vous fais péter un câble avec la vue. Regardez-moi ça, pépite, pépite. Ce rooftop bar est la preuve qu'on n'a pas besoin d'être super haut pour avoir une vue de dingue. Ici, je suis sur la terrasse d'un bâtiment de seulement 3 étages. Et pourtant, regardez cette vue sur Wataroon. Perso, je surkiffe de jour comme de nuit. Et maintenant, si vous vous retournez, vous constatez qu'on voit aussi les toitures du temple Wat Po. Ici, ils vous servent des super cocktails, franchement, j'ai bien aimé. Vous pouvez aussi manger un bout. Perso, comme je mange de la cuisine asiatique H24, est-ce qu'il ne me déplaît pas? Mais bon, je voulais me faire péter un bon petit burger, voilà. Numéro 2, je suis au 49e étage du Marriott Hotel, le Octave Rooftop Bar. Allez, maintenant, on prend beaucoup plus de hauteur pour avoir une vue à 360 degrés sur Bangkok. Et croyez-moi, quand vous allez venir ici, vous n'allez pas le regretter. Ici aussi, ils vous servent des cocktails bien sympas, le tout avec de la bonne musique lounge mixée par une jolie et souriante DJ. Et sinon, sérieux, la vue de nuit, elle est tout simplement magnifique. J'adore. Allez les amis, on redescend un peu et là on est au cœur de la ville, à numéro 3, The View Bangkok, au 9e étage du Novotel Platinum. Ici le truc sympa, c'est que contrairement aux deux précédents bars, c'est ouvert toute la journée, de 8h du matin jusqu'à 1h du mat. C'est génial, non? Le bar propose des cocktails connus, mais aussi des signatures de l'établissement qui sont toutes simples mais agréables à boire. J'aime beaucoup la vue, on se sent vraiment plongé dans le cœur de la ville, c'est top, non? Quelque chose qui me plaît bien aussi, la piscine. Cependant, on peut y avoir accès seulement si on dépense une certaine somme au bar, mais rien de folichon. Numéro 4, l'élégance Speakeasy Rooftop Bar à l'hôtel Muse. Ici, en plus de l'atmosphère des années 1920-1930, vous avez également ce sentiment d'être immergé dans la jungle urbaine. Le bar propose une belle sélection de gins, mais pas seulement. D'ailleurs, leurs cocktails signatures sont de vraies œuvres d'art. Et de nuit, regardez-moi ça, ça fracasse. Numéro 5, le Park Society, juste en haut de la tour Sofitel. La décoration du bar est simple, mais ici ils ont quelque chose de cool à leur avantage. Sérieux, regardez-moi cette vue avec le parc et la ville, ça fracasse. Et oui messieurs dames, c'est cette vue de dingue qui est cool. Et là c'était mon petit compartiment où je me suis calé pour déguster mon bon cocktail. Puis je sais, je me répète, mais de nuit, oh là 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 là, je kiffe voir la ville illuminée. Allez, petit bonus les amis, le rooftop à l'hôtel Royal Bangkok à Chinatown. Situé au cœur de Chinatown, ici en plus du panorama sur la ville, vous avez une super vue sur Yaowarat Road. À ce bar, on aimera la piscine et le fait qu'il est ouvert toute la journée, de 9h du matin à minuit. Maintenant, si vous aimez faire des photos qui sortent de l'ordinaire, regardez la réflexion ici sur le carreau de verre. Niveau cocktail, ils sont pas trop mal, je leur ai commandé un qui était joli, mais bon, un peu trop sucré à mon goût, à la fois, vous pouvez pas savoir.
Et voilà, c'est sur le rooftop du Rose Residence que se termine cette vidéo. D'ailleurs, la prochaine sera entièrement dédiée à cet hôtel. Et maintenant, je vous dis à la prochaine sur ma chaîne. La bisette, moi. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Maintenant, si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.